Salut à tous, une vidéo. Je vais réagir rapidement sur la vidéo qu'a fait Seb il y a une petite semaine au moment où je reste la vidéo. Enfin, 5 jours au moment où je reste la vidéo. Parce qu'il a décidé d'ouvrir un Tipeee pour continuer à faire vivre sa chaîne. Moi, je ne vois pas le problème. Il ne faut pas oublier que maintenant, la monétisation sur YouTube, c'est pot de zob. C'est que dalle. On disait à l'époque, il y a encore 2-3 ans, ouais, 1 euro pour 1000 vues. Maintenant, si c'est 30 centimes pour 1000 vues, parce que vu la politique de flingage de pub et de démonétisation de YouTube, si on arrive aux 30 centimes pour les 1000 vues, c'est le bout du monde. Seb a décidé d'ouvrir un Tipeee. Je ne lui en veux pas du tout. C'est son choix. Bien sûr, vous verrez dans les commentaires, bien sûr, les bien-pensants, que je n'aimerais pas, qui en profitent pour casser du sucre sur le dos de Seb et qui disent qu'il prostitue le logiciel libre parce qu'il parle de pognon. Ces personnes, au lieu de jouer des vergers effarouchés devant un pénis en érection, feraient bien de penser que des grosses boîtes commerciales existent dans le libre. Je peux en citer deux anglophones, Canonical, aka Ubuntu et Red Hat. Je pourrais rajouter l'Inagora, pour les boîtes francophones. Et combien d'autres encore? Donc, avant que des vierges effarouchées n'attaquent, rappelez-vous que le logiciel libre ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc là, avant qu'on dise que tu balances un troll, c'est-à-dire je tiens à préciser que je vais faire chauffer mon outil de capture d'écran pour les commentaires que je vais laisser volontairement ouverts, je vais vous poser cette question. Quelle serait votre réaction si un jour je décidais d'ouvrir un compte à Tipeee ou compagnie pour m'aider à faire vivre ma chaîne? Parce que vous savez, je ne reçois aucun don ou presque, je ne demande rien, si ce n'est de partager mes vidéos. C'est tout ce que je demande. Donc, la question est, quelle serait votre réaction si un jour j'ouvrais un compte sur Tipeee, Patreon ou autre pour essayer de financer ma chaîne? Quelle serait votre réaction? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je tiens à préciser que je prendrai le pire du pire et que je ferai une vidéo SAV pour montrer la crudité de l'être humain. Voilà, vous êtes prévenus, vous n'êtes pas pris en traître. J'attends vos réactions avec impatience. Sur ce, je vous laisse réfléchir à votre réponse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!